Au voyage de 53 jours, nous effectuerons environ 14 000 km de long à travers 8 pays, à savoir l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et la Chine. Ursu Pamrakel, touriste autrichienne, nous confie que la curiosité vers de nouvelles choses, le désir de la connaissance et la rencontre avec différentes personnes sont la raison de sa passion pour son voyage. Und auf der Strecke haben wir 8 Länder. Verbesiegt, passt nach 8 pays de la Chine et la destination finale. C'est un pays intéressant qui attire de plus en plus d'attention. Il est très significatif d'avoir cette possibilité de voyager en bus. Une façon fascinante, une route ancienne et traditionnelle avec tant de partenaires partageant les mêmes idées. J'ai entendu parler de la route de la soie. J'ai également lu beaucoup de livres concernés. J'ai visité une partie de cette route, la Chine et l'Ouzbékistan. Cette fois-ci, j'attends avec impatience de parcourir toute la route de la soie. Peter, le meilleur venant de Cologne, a pris la décision avec sa famille et ses amis en seulement 3 heures après avoir lu l'information sur ce voyage. Selon elle, c'est le meilleur cadeau pour son 70e anniversaire. Je suis heureuse de participer à ce voyage qui se déroule à un rythme lent et avec beaucoup d'arrêts. Que cela me permet d'avoir suffisamment de temps à gagner en expérience. La route de la soie pour moi est une route commerciale. J'ai beaucoup d'amour pour la gastronomie. À l'époque de mes grands-parents, de nombreux aliments qui ne poussaient pas ici étaient transportés à travers cette route. Maintenant, je vais parcourir cette route historique. C'est incroyable. On peut dire que ce voyage ouvrira un nouveau chapitre dans ma vie.